Ah bah c'est une réaction de surprise et de joie, mais il faut bien comprendre que dans l'entourage de François Mitterrand, nous vivions à l'intérieur de son analyse en quelque sorte, et que dès l'automne 81, il avait dit à Helmut Schmidt, dans 15 ans, même pas 15 ans, 10 ans, l'Union soviétique sera tellement affaiblie qu'elle ne pourra plus empêcher la réunification. Donc dans toutes ces années 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., nous vivions dans cette idée. Et on ne s'est jamais posé des questions idiotes du genre « est-ce qu'on est pour ou contre ?» Ça paraissait tellement évident, tellement légitime. La seule question qui nous occupait pendant toutes ces années, et lui en premier, évidemment le président, c'est « comment ça va se passer ?» Comment faire en sorte que ça se passe bien ? Et les critères de Mitterrand, il l'avait dit nombreuses fois à l'avance, longtemps avant, il faut que ce soit pacifique, démocratique et que ça consolide l'Europe. Les critères américains, c'était « il faut que ce soit pacifique et démocratique et que ça consolide l'OTAN ». Bon, ce n'était pas forcément la même chose à chaque instant, même si finalement tout ça a été merveilleusement bien géré. Donc on s'attendait à ce que l'Allemagne soit réunifiée, on ne savait pas quand, mais enfin c'était dans le tuyau, quoi, en quelque sorte. Surtout dès lors que Gorbatchev était au pouvoir à partir de 1985, et qu'il avait clairement dit à tous les dirigeants communistes d'Europe de l'Est qu'il n'emploierait jamais la force pour les maintenir au pouvoir. Rappelez-vous qu'il y avait des centaines de milliers de soldats soviétiques en Europe de l'Est. Donc nous vivions dans cette idée. Donc simplement, on s'attendait à ce que les frontières et donc le mur soient ouverts le jour venu, dans le moment de la réunification. Puis après, évidemment, ça s'est accéléré, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit une surprise extraordinaire, puisque dès l'été 89, les gens l'ont trop oublié, les Allemands de l'Est pouvaient partir par la Hongrie. Hongrie, Tchécoslovaquie, etc. Donc on voyait bien que c'était de plus en plus un mur à la Potemkine. Par contre, personne ne pouvait imaginer l'enchaînement tout à fait rocambolesque, qui fait que les autorités de l'Est, un peu au bout du rouleau, décident de libéraliser les voyages, et que le porte-parole dise ben, « c'est possible aujourd'hui », donc les gens arrivent avec leur voiture, leur trabante à la porte, et puis les policiers qui n'ont pas d'ordre, et qui n'osent pas les empêcher, les laissent passer. Et en fait, c'est plus une ouverture qu'une chute. Et c'est encore plus extraordinaire raconté comme ça. Alors évidemment, ça a surpris tout le monde, parce qu'on ne s'y attendait pas à ce moment-là, mais on s'attendait à la réunification et on réfléchissait à comment contribuer à la meilleure gestion possible.